faire en piège. On va essayer de les redéployer du coup. Là, la vanille, je ne fais pas trop de risques avec lui. Si moi je suis à 34%, lui il est bien plus bas. Ah, genre le tir de la chatte. Parce que j'ai le droit de l'appeler comme ça celui-ci. Parce qu'on sait pas d'où il sort, d'où il vient. Un peu comme Goldorak. Tire de la moue. Ah, il y a de l'orage. C'est au ratio. Tu dis pourquoi est-ce qu'ils vont attaquer maintenant? Bah non, tu es pas stop style. Ils sont à côté hein. Ils sont à côté, ils en branlent pas une. Pour eux ça doit être normal. Non, il y a des trucs chauds, pas des masses. Et il tire. Pas du coup. Oh, ils sont combien là-dedans, sans déconner? J'ai dit si tu veux même pas lui mettre une carabine. Ouais. Tiens.
balle, fuck it. Va t'occuper d'Harold. Lui va être chiant à buter là-bas. D'où il sort lui? Elle est top celle-là. Bien joué, elle est belle. Jamais le gars. Transfert de l'eau. Voilà, il va arrêter de me casser les couilles avec son lance-flamme là, son lance-grenade. Sauvegarder. Hop. Putain, il est... Ok, donc là il y a un piège, un tapant, tout va bien. Écoutez, c'est quand même bien chaud, chaud, chaud. Parce que là j'ai quand même une marge de manœuvre qui est assez limitée. Thank you.
T'as le droit de le tuer. Il s'est fait taper, je sais pas par quoi. En fait, des trucs ça part n'importe où et enfin bon, bref. Pas épiloguer là-dessus, mais quand même. Je trouve que des fois c'est un peu abusé quand même, ces coups un peu de sortie derrière les fagots là. Allez, tu peux le faire. Ok. Bon. Là, on est bon. Alors, tu veux utiliser tes compétences en piège ici. Je commence à faire remonter un peu les gars qui sont pas trop mauvais en corps à corps. Combien déjà on... Putain. Ah, quand ça veut pas, hein, je vous le dis. C'est vraiment la misère. Bon, ils ont pris une petite claque quand même, les rivers. Plus des masses. Ok, maintenant tu reviens ici. Et attention à ne pas nourrir comme un débile.
Ok. Tout cas, ça aurait été bien compliqué pour le moment. L'orage, l'orage, l'orage. Bien joué. Puisqu'elle a plutôt bien fonctionné. Par contre, voilà, ça c'est bon. Je vais avancer un petit peu. Là. C'est réglé ici. Ouais, c'est super cool. Utiliser sa munition. C'est un peu, on doit se guérir tout le temps. Et voilà, typiquement un Avenger. Si je prends les deux là, je suis à la mort en moins de deux quoi. Là, la technique clairement bah, c'est de leur faire gaspiller les munitions.
Ah, typiquement, le gars il a quand même 90 millions de Steam Pack sur lui. Je veux dire, derrière il y a suffisamment de sang pour éradiquer tous les déficits et tous les problèmes de la banque de sang en France et pas loin du monde. Et hop là. Faire n'importe quoi tout de même. Ah, je crois qu'il est à court de Steam Pack. Ah ouais, là je crois que ça sent la fin pour lui. Enfin. Donc. C'est miné partout. Hop là, nickel. Donc ces deux-là, de toute façon, c'est eux qui ont une chance. Carte à jouer pour eux. Vindicator. Ah ben là, je peux pas... Il va m'ouvrir en 8, il finira de m'ouvrir en 4. Donc,
là ça tape en plus, il le lance-grenade donc il pourra pas attaquer. Ah, son brouillard. S'exposer à des tirs de lance-grenade notamment, voire de sniper jusqu'à court portée, ça peut faire mal. C'est la mauvaise. Et B. C'est bleu. Merci. On va faire switcher sur lui. Et on va tenter une attaque de fou. La petite sauvegarde. Son fusil à pompe comme ça hein, en mode barbare. C'est pas dégueulasse. Hein.
piège. Il me reste quoi là comme steampunk? Il me reste un petit steampunk à mettre. Ouais, donc ça je me sens toujours comme une maison. Ça peut faire très bien. Pendant ce temps-là, le combat le plus long du monde.